Bien sûr que c'est reparti. Bien sûr qu'il y a le voisin qui gueule. Et des enfants qui demandent pourquoi. Bien sûr, le métro est aveugle. Et nos amours qui ronflent parfois. Bien sûr, la gueule devant la glace n'a plus le même corps qu'autrefois. Bien sûr, les choses, lentement, deviennent poussière, poussière dorée, poussière belle. Bien sûr, nos trains-trains n'ont pas tous pris le même wagon. Bien sûr, on avance, même si c'est à reculons. Bien sûr, dans un désert du sud, des hommes et des femmes attendent en croix. Marchandises, devenues marchandises, entre Libye et Mauritanie, aujourd'hui, là, près de toi. Et tu te sens un peu merdeux, un peu inutile, un peu quotidien, un peu 35 heures, un peu week-end, un peu, et toi t'as fait quoi? Et toi t'as fait quoi? Et moi j'ai fait quoi, moi? Moi j'ai rêvé, moi j'ai ri, moi j'ai pleuré, moi j'ai vieilli. Moi j'ai crié contre un ami. Moi j'ai dansé avec des cons. Dont moi, sûrement, sans doute. Et pourtant, là-bas, là-haut, là où rien ne se passait, mais où tout se passe, comme souvent dans les interstices du monde, dans les Alpes, des hommes et des femmes ont arrêté ce train-train quotidien, les vaches à la Roya, des enfants qui passaient sans chaussettes, allant de nulle part à nulle part, sans destin, sans espoir. On leur a ouvert, le maire de Névache, solidarité montagnarde, ça s'appelle. C'est beau comme mot. Il a dit, vous êtes là, vous n'avez rien, restez dormir. Pas militant, pas combattant, juste quotidien. Le quotidien qui change tout. C'est là-bas, c'est à Névache, au-dessus du Briançonnais. Allez-y, ça a l'air bien. Où va